venez à Nassau. Eh bien, j'y suis allé. Et c'est sensationnel. On fait de la voile, du ski nautique. Le climat est magnifique. Les filles plus que jolies. C'est le paradis. Mais le malheur, c'est que, comme 161 autres journaux et revues de cette partie du monde, les journaux des Bahamas sont infestés par Floyd Vosper. Le joueur de polo Hubert Winfield est dans un état de dépression depuis que le mariage de Bobo Hamilton est imminent. Un garçon très curieux, ce Vosper. Il a découvert que la plupart des gens sont friands de scandales. Alors, trois fois par semaine, il remue le scandale à la pelle. Mais en mélangeant quelques grains de vérité à des tonnes de boue et de divers immondices, Floyd Vosper prétend décrire la vie secrète des célébrités. J'ignore ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est comme entendre une jolie fille tenir en public des propos déplacés. Entrez. Excusez-moi. Bonjour. Votre veste, monsieur. Parfait, mettez-la sur le lit, voulez-vous? Et merci de me l'avoir ramenée aussi vite. Mais de rien, je vous en prie, monsieur. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de repasser le veston du célèbre Simon Templar. Monsieur Templar, monsieur. Monsieur Fanshee, mon officier de police préféré. Templar, comment allez-vous? En bonne forme, une nette et esprit léger. Et comment peut-on avoir l'esprit léger dans l'antre d'un intendant de police? Pourquoi pas? Mon âme et ma conscience sont aussi claires que ce ciel d'été. J'avoue néanmoins que j'ai eu un moment d'inquiétude quand le sergent de police est venu à l'hôtel me déclarer que vous désiriez me voir. Mais je précise que ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Nassau? Ski nautique, pêche sous-marine et voile. Et vous n'avez pas d'autre projet? Quel projet? Me créer des ennuis. Aucun. Je vais chez les Wexall passer deux jours et j'irai ensuite terminer la... Wexall? Vous voulez dire Herbert Wexall? Oui. Herbert et Lucie, évidemment. Je présume qu'ils vous ont invité, non? Mais enfin, croyez-vous que j'irai sans cela? Et ça vous est plus d'une fois arrivé, il me semble. Lucie m'a supplié d'y aller. Ah. Elle a des bijoux d'une très grande valeur. Et de l'argenterie. Oui. En tout cas, sachez que nous vous tenons à l'œil. Ça, je le sais. Nassau est une cité paisible. Et je tiens à ce que vous sachiez ceci. J'entends qu'elle le reste. Je vous promets que je vais y contribuer au mieux de mes capacités. J'en suis très touché. J'y comptais bien, monsieur. Est-ce que je peux me retirer? Faites mes amitiés au Wexall. Je n'y manquerai pas. Bonjour, Maria. Bonjour, monsieur Templar. Vous avez la chambre bleue. Je vais vous monter vos bagages. Madame Wexall est dans le salon. Simon, vous voilà. Bonjour, Lucie. Ah, je suis ravie de vous revoir. Vous êtes magnifique. Mais vous aussi. Jeannette, arrête ça, monsieur. C'était pas à cause de moi, non? Non, non. Voici ma sœur Jeannette Blaise, Simon Templar. Très heureuse. Enchantée. C'est une petite erreur commise par mes parents sur le tard. Simon, allez retrouver Herbert dans la salle des trophées. Il est en conférence avec M. Gresson, ici. Ah non, penses-tu, ils sont en train de se raconter des histoires. Offre donc quelque chose à M. Templar, je reviens. Que prendrez-vous? Oui, je crois que votre raisonnement de base se justifie, M. Gresson. Heureux de vous l'entendre dire, M. Wexall. Je reconnais volontiers que les investissements sont très grands, mais la marge bénéficiaire sera en proportion. Herbert, Simon Templar est ici, venez lui dire bonjour. Excusez-moi un moment. Je vous en prie. Mademoiselle Stone va s'occuper de vous. Merci. Il est très obéissant, hein? Très poli.
C'est une vertu que nos autres Britanniques admirons. Je m'excuse. J'estime beaucoup Herbert. J'ai fait une plaisanterie assez douteuse. Très douteuse. Vous êtes ce qu'on appelle un chevalier d'industrie, n'est-ce pas, Monsieur Grayson? J'ai beaucoup entendu parler de vous par Lucie. Ravi de vous connaître. Merci. Si nous allions sur la terrasse. Allez-y, je n'ai pas tout à fait terminé avec Grayson. Pendant que j'y pense, Lucie, j'ai invité Floyd Vosper jusqu'à lundi. Vous avez quoi? Allons, Lucie, 2 jours seulement, c'est vite passé, non? Mais Floyd Vosper est absolument impossible. Il va détruire l'ambiance. Il vaut mieux ne pas discuter de cela devant M. Templar. Oh, mais ça ne fait rien, continuez. Herbert, vous devriez me consulter avant de lancer des invitations. Si j'ai cru bon inviter ce monsieur, c'est pour des raisons très importantes et je vous serai reconnaissant de lui faire bon visage. Bon, ce ne sera pas facile, mais j'essaierai. Merci. Excusez-moi, M. Templar, je vais vous rejoindre dès que j'aurai terminé avec Grayson. Floyd Vosper. Savez-vous exactement de lui? Je veux dire, d'où sort-il? D'où est-il originaire? D'un quartier assez misérable de Londres. Il est allé ensuite aux États-Unis et fait ses études à Harvard. Harvard? Et il se livre à cette sorte de journalisme? Oui, c'est comme un vice chez lui. Il a toujours été plein de fiel, mais ça ne fait qu'empirer. Ce qui n'empêche que vous le lisez. Je le déteste, mais je ne peux pas résister. Je me demande ce que mon mari voulait dire par raison importante. Sans doute de la publicité. Oui, c'est possible. Il est sur une affaire de pétrole avec M. Grayson. Que M. Floyd Vosper y mette son nez, ce ne sera plus du pétrole. Ce géologue a-t-il bonne réputation? Il a travaillé 15 ans pour le compte d'une compagnie pétrolière. Et si je souscris personnellement à ce projet pour 15 000 livres, il vous faudra encore combien? 40 000. Mais votre belle-sœur, ça pourrait peut-être l'intéresser. Jeannette? Oui, elle a pas mal d'argent. C'est exact. Le père de Lucie a légué sa fortune également entre ses deux filles. Seulement, la part de Jeannette est bloquée chez un notaire jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans. Ou qu'elle se marie. Voici mon fiancé, John Eric. Enchanté. Enchanté, je vous ai vu jouer au tennis. Vous êtes un champion. Merci. John, versez-moi un jean, voulez-vous? Bien sûr. Et vous, Monsieur Templar? Non, merci. Lucie, où est Astron? En train de méditer, au bord de la piscine. Qui est Astron? Qui est Astron? Il ne le sait pas lui-même. Ah, ne sois pas méchante, Jeannette. C'est un hindou, un mystique. J'ai fait sa connaissance à New York il y a 2 mois et je l'ai invité à passer l'hiver ici. Tout d'abord, il a refusé l'invitation. Il craignait de ne pas se sentir à l'aise dans ce luxe. Il déteste le matérialisme. Floyd Vosper va le mettre en pièces, sûrement. Le séjour s'annonce bien. Lucie, vous voulez dire que Floyd Vosper va venir ici? Ce n'est pas ma faute, John. C'est Herbert qui l'a invité. On va certainement devoir subir les traits d'ironie de ce monsieur jusqu'à lundi. Merci. Mais je vous le dis... Si Floyd Vosper dépasse les limites permises, je vous permets de le tuer. Vous aussi, Simon. Moi, je suis en vacances. Oh, je suis furieuse. Floyd Vosper durant 48 interminables heures. Oui, mais Vosper, ce oui, homme oui, est absolument... Oui, je sais, je déteste ce Vosper encore plus que vous, mais il est puissant. Sa chronique paraît dans 161 quotidiens hebdomadaires. Et l'avoir avec nous, c'est pouvoir se débarrasser des gêneurs. Oui, vous avez sans doute raison, mais je crois que c'est une très mauvaise publicité et que ça peut nous nuire. Un dicton américain dit qu'il n'y a que de la bonne, pas de mauvaise publicité. Dans notre cas, ce dicton a tort. Bon, mais quoi qu'il arrive, Floyd Vosper peut faire échouer toute l'opération. Vous avez raison. Je vais me changer. J'ai le temps d'aller à la piscine avant le déjeuner. Oui, allez, j'ai plusieurs choses à mettre au point. D'accord, à tout à l'heure. Mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a, Pauline? Tu n'as pas desserré les dents. Parce que je n'avais rien à dire. Tu n'aurais pas tenu compte de mon avis. J'ai besoin de signer ce contrat. Je voudrais tant pouvoir te convaincre que ce n'est pas l'argent qui m'importe. Mon seul vœu est de t'épouser un jour. Chérie, c'est le mien aussi, tu le sais. Vraiment? Alors, convaincu? Non, mais je ne veux pas discuter. Oh, chérie, un peu de patience. Comprends que ce Grayson nous est envoyé par le ciel pour nous débarrasser de Lucie une fois pour toutes. Pauvre Lucie, elle me fait pitié. Moi, non. Je n'ai pas du tout pitié d'elle. Après Rome, nous sommes restés 2 semaines à Paris et nous sommes rentrés. Ça a dû être un voyage merveilleux. Oh, extraordinaire. Il a enchanté Herbert. C'était pour lui une seconde lune de miel. Ciel, c'est sûrement Floyd Vosper.
Je vais aller prendre un bain, vous venez? C'est une idée. Une bande de lâches. Vous, au moins, vous restez avec moi. Jusqu'au bout. Faisons semblant d'être ravis. Mais je vous en conjure, ne le vexez pas. C'est un individu extrêmement dangereux. Enfin, nous verrons. Bonjour, chère Lucie. Bonjour, Floyd. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Laissez-moi vous regarder. Incroyable, mais vrai, vous avez encore grossi. Un peu seulement. Il va falloir que j'en parle à Herbert. De toute évidence, vous mangez trop parce qu'il vous néglige. Il a toujours Mademoiselle Stone pour secrétaire. Oui, oui, c'est exact. Simon Templar, Floyd Vosper. Eh bien, voyez cela, le sang en personne. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'en suis flatté. Je suis vos exploits avec le plus grand intérêt. Et cet article sur vous l'autre jour dans le Times, c'est à mon avis le plus malveillant article que j'ai lu de ma vie. Vous ne relisez jamais ce que vous écrivez? J'aime les gens qui se défendent. Et je n'ai que mépris pour les autres. Voulez-vous vous changer? Pourquoi? Simple question de goût. Si vous tenez à prendre un bain avec votre costume. Tout le monde est plein d'esprit aujourd'hui. Le rôle de bouffon me plaît davantage que celui de faiseur de ragots. Je vais servir à boire sur la terrasse. Arsenic sec ou à l'eau? Le charmant baril de l'art que cette chère Lucie. Floyd, je suis ravi de vous voir. Ravi de vous revoir, ainsi que la ravissante Mademoiselle Stone. Travaille-t-elle toujours pour vous avec autant de dévouement? Bonjour, Monsieur Vosper. Simon, vous ne connaissez pas ma secrétaire, je crois. Monsieur Templar, Mademoiselle Stone. Enchanté, monsieur. Très heureux. Je suis heureux que vous ayez pu venir, j'ai à vous parler de certaines choses. Avec l'autorisation de Lucie. Monsieur Vosper, rien que pour ces deux jours, veuillez nous épargner vos railleries. Vous exigez l'impossible, ma chère. J'adore littéralement mettre les gens dans l'embarras. Je vais dire aux autres que vous êtes là. Ils vont avoir un accès de fièvre. Pauvre Herbert, il est le vivant monument de l'inutilité, le néant fait homme. Cette pauvre Lucie n'a pas dû le payer cher. La calomnie vous a-t-elle demandé un entraînement spécial, ou bien est-ce naturel? Des années de pratique et de travail. Il m'a fallu de longues années pour constituer un fichier ligne de ce nom. Et j'ai là quelques extraits de mes fiches, écrits noir sur blanc. Si vous restez avec moi, je vous promets de vous faire entrevoir des choses intéressantes. Ah tiens, mon vieil ami Arthur Grayson. Hein? Bonjour, Floyd. Alors, c'est le pétrole, hein? Il faut changer de temps en temps. Mais c'est tout ce qu'il y a de régulier. Je n'en doute pas. Je vous en donne ma parole. Est-ce que Wexel a appris vos légers malentendus avec la justice de l'État de New York? Oh, cette affaire remonte à 8 ans. Il garde les fiches, vous savez, dans les prisons d'État. Écoutez, Floyd, si vous essayez de me tirer dans les jambes, je vous briserai, c'est bien compris? Ôtez-vous main de là, espèce de petit escroc manqué. Je dis à Wexel que vous avez un casier judiciaire et vous ne ferez pas de vieux os ici. S'il y a deux choses que je hais, ce sont les fraudeurs et les faussaires. Vous êtes les deux. Oui, oui. Oh, ce climat est excitant, n'est-ce pas? Ce soleil, les palmiers et l'océan. Oui, en effet. John, qu'est-ce que vous avez? Moi, rien. Je vous trouve froid et absent tout à coup. Excusez-moi. Un peu de dépression, sans doute. Mais qu'est-ce qui vous tracasse? Mon passé, mon avenir. Oh, John, vous partez pour Wimbledon. Dans un mois, vous serez le virtuel champion du monde. Qu'y a-t-il de déprimant là-dedans? Écoutez, Jeannette, j'aurai bientôt 30 ans. Et je ne peux pas continuer comme ça. Il y a dans la vie autre chose que jouer au tennis. Monsieur Eric, le secret du bonheur sur cette terre, c'est de vivre dans la vertu au service de Dieu. Astron, si je savais comment faire. Pour servir votre Dieu, servez votre prochain. Vous pensez qu'il devrait s'inscrire dans une œuvre sociale, telle que l'enfance délinquante, peut-être? Mademoiselle Blaise, il dit lui-même qu'il souhaite faire plus dans la vie que de se consacrer au sport. C'est vrai, je vous assure. Oh, John, je n'ai qu'un souci, c'est d'assurer votre bonheur. Et je ferai ce que vous voudrez, j'irai où vous voudrez. Je vous aime, Jeannette. Moi aussi, je vous aime.
Oh, voilà de la visite. Floyd, je crois que vous avez rencontré ma sœur, Jeannette. En effet. Oui, à l'époque où vous écumiez Palm Beach. Et voici son fiancé, John Eric. Ah, l'attireur du tournoi de Catskills. Nous nous connaissons, je crois. Comment allez-vous, monsieur Vesper? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Catskills? J'y ai remporté le tournoi de simple. Et avec quelle facilité. Vous êtes en forme? Oui, ça peut aller. Comment ça peut aller? Il fait le tournoi de Wimbledon cette année. Tiens, c'est vrai. Oui, il va devenir champion du monde. Ah oui, vous me voyez absolument ravi. Oh, je vous en prie, Floyd, cessez ce jeu. Volontiers, Lucie, si vous me le demandez. Venez, chérie, j'ai faim, allons manger quelque chose. Si vous voulez. Nous allons dîner. Bien, à tout à l'heure. Qu'est-ce que Simon Templar vient faire ici? Il se trouve que c'est un de mes bons amis. Monsieur Templar, je ne crois pas que vous connaissiez la dernière acquisition de Lucie pour sa ménagerie. Il médite. Je ne pourrais donc pas faire les présentations. Nous nous en passerons. Oh, je n'avais pas l'intention de le faire. Mais il y a tout dans cette maison du bon Dieu, y compris des parasites. Et de grossiers personnages. Touché. Monsieur Templar, je suis ennemi de la fraude. Et Astron en a fait une règle de vie. Il est né aux Indes et il a passé quelques semaines dans l'état de New York. Ce turban recouvre une cervelle d'escroc. Cet homme est sans doute l'être le plus sincère que j'ai jamais rencontré. Il tente honnêtement de découvrir le vrai sens de la vie. Lucie, je connais très bien cet individu. Je sais où il cherche le véritable sens de la vie. À l'intérieur de votre coffret à bijoux. Lucie, voulez-vous que je donne à ce monsieur la leçon qu'il mérite? Monsieur Templar, les paroles du blasphémateur s'envolent avec le vent. Comme c'est bien dit. Qu'est-ce que c'est? On se croirait vraiment revenu au Moyen-Âge. C'est à John Eric. Il s'en sert pour chasser le requin. Oh, c'est original. Il l'a fait faire spécialement. Il n'y a que lui qui soit assez fort pour s'en servir. J'ai toujours eu un très grand respect pour la force. Dites-moi, avant de dîner, je prendrai volontiers quelque chose. Ça me remontera le moral. Ravi de vous connaître, Monsieur Templar. Et moi de même, monsieur. Je suis vraiment désolé, Astron. Ça n'a aucune importance. Quelqu'un devrait lui donner un bon coup de poing sur le nez. Non, on devrait plutôt le tuer. Son heure viendra. Cet homme sera un jour réduit au silence par la flèche de Dieu. Il est possible que ce soit une affaire. Je suis confiant. Assez pour y investir 50 000 livres. L'argent de votre femme. Floyd, quelques lignes dans votre chronique nous seraient d'une grande utilité pour écarter certains requins de la finance. Je vais lire ça très attentivement. Prenez votre temps. Mais si je vous fais de la publicité auprès de mes 50 millions de lecteurs, vous reconnaîtrez avec moi, je l'espère, que je ne pourrai guère me contenter de ne ramasser que des miettes. Bien sûr. Nous penserons à vous, Floyd. Je n'en doute pas. Je lirai ça demain, nous en discuterons. Mais je ne m'engage à rien, sachez-le bien. Floyd, si vous m'aidez, je vous en serai très reconnaissant. À gagner de l'argent ou le cœur de Mademoiselle Stone? Puisque vous soulevez le lièvre, sachez que je l'aime profondément. Oh, les grandes phrases. Mais c'est la vérité. C'est réciproque, je présume. Oui, enfin, je le crois. Ah, vous le croyez. Vous respectez les convenances, bien sûr. Oui. Voilà qui est très britannique. Floyd, je trouve que vous allez un peu trop loin. Combien de chances est-ce que vous auriez d'extorquer 50 000 livres à Lucie si elle était au courant de vos activités extra-conjugales? Elle vous mettrait à la porte. Si vous voulez lui dire, ne vous gênez pas. Je me tairai. Car j'espère en tirer un considérable bénéfice pour mon propre compte. Robin des Bois de Nassau. Vous voulez essayer? Je vous en prie. Le tir à l'arc est devenu de nos jours un véritable luxe. Ce n'est pas avec ça qu'on peut fonder un foyer et élever une famille. Mais pour vous, l'argent n'a pas la moindre importance. N'êtes-vous pas le modèle du parfait amateur? Écoutez, Vosper, je... Ne jouez pas la vertu offensée. Vous savez que je pourrais vous faire disqualifier avec un seul mot. Professionnel. Ça ne m'est arrivé qu'une fois à Catskills, je n'avais plus un sou. Oui, je connais tous les détails. Je l'ai bien regretté depuis.
Allons, vous n'avez quand même pas cambriolé une banque. Mais je peux être disqualifié à Wimbledon. Je ne suis pas doué pour grand-chose à part le tennis. Et comme il faudra bien que je prenne ma retraite, je voudrais finir en beauté. Je peux gagner à Wimbledon. Laissez-moi cette chance. Et celle de mettre la main sur l'argent de Jeannette. Excusez-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Je vous jure que vous ne l'emporterez pas en paradis. Des muscles et pas de cervelle, hein? Que fera Jeannette quand elle saura que vous êtes un tricheur? Vous croyez qu'elle va vous garder comme Lucie gardait Herbert, cette espèce d'inutile? Vous permettez que je vous parle, Astron? Je vous en prie. Lucie dit du bien de vous. Vous n'approuvez pas? Sachez que je n'approuve ni ne désapprouve. Vous êtes homme d'esprit. J'essaie. Est-ce que vous croyez que je suis vraiment capable de voler Lucie? Dites-le-moi. Je suis pauvre, elle est riche. C'est une disciple du matérialisme que je méprise. Mais nous avons au moins une chose importante en commun. Comment tirer le meilleur parti de ce monde, du monde tel qu'il est fait? C'est une tâche bien rude. Mais la seule qui donne à la vie son vrai sens. Croyez-vous que Floyd Vosper le comprendra? Il ne vivra pas assez longtemps. Vous pensez qu'il périra par la flèche de Dieu? Quelquefois, Monsieur Templar, Dieu remet sa flèche entre des mains humaines. Je vais aller me baigner. Avez-vous parlé à Astron? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que Vosper est endormi? J'ai toujours une oreille qui traîne. Dans leur ruisseau. Ma chère Lucie, votre esprit est aussi léger que votre démarche. Voulez-vous que je le jette dans la piscine? Oh, je ne fais pas de querelle, Simon, je vous en prie. Il n'a pas cessé d'injurier tout le monde. Oui, je sais, mais il n'en est pas moins notre hôte. Je vais voir où est Herbert. Vous connaissez le vieux proverbe, cherchez la femme. C'est ce qui s'appelle répondre du tac au tac, n'est-ce pas? Vous croyez que Lucie n'en souffre pas assez pour lui jeter au visage? Pour Lucie, elle est si stupide qu'un ventriloque n'en voudrait pas comme poupée. Écoutez, Vosper, un de ces jours, il vous arrivera malheur et vous l'aurez voulu. Oh, pitié, il y a déjà un prophète dans cette maison, deux, c'est trop. Voulez-vous me verser un peu de whisky? Sonnez le maître d'hôtel. Oh, Vosper, Grayson, où est-ce que cela nous mène? Je t'aime, c'est tout. Ton argent m'indiffère, de même que les promesses d'avenir que t'a fait Grayson. Pauline, tu déraisonnes. Combien de temps crois-tu que tiendrait notre amour dans un appartement d'une pièce? J'aurai au moins le respect de moi-même. L'amour est l'eau fraîche. Mais chérie, sais-tu de quoi tu parles? La pauvreté ennoblit, n'est-ce pas? On voit bien que tu n'as jamais connu les odeurs de cuisine ni mis ton linge à sécher à la fenêtre. Mais ça ne fait pas peur. Toi, peut-être, mais moi, si. Je veux une réponse nette à une question nette. Quand comptes-tu annoncer à Lucie que tu veux la quitter? Eh bien, si l'affaire se conclut... Je ne veux pas de si. Mais Pauline, sois raisonnable. Je ne veux pas de si ni de mais. C'est ce que j'appelle des paroles dilatoires. Alors si tu veux bien, je partirai à la fin du mois. Très bien, je vais donc parler à Lucie. Lucie, je voudrais vous dire un mot. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Floyd Vosper devient impossible. Je voudrais que vous le priez de quitter cette maison. Nous parlerons plus tard de Vosper. J'ai quelque chose de beaucoup plus sérieux qui nous concerne tous les deux. Et en privé. Au sujet de Pauline. Je vous en prie, allons. Pas ici. Je vous reverrai tout à l'heure. Pauline. Où en êtes-vous avec Herbert? Il faut que je le sache. Je vous en prie. Je ne veux pas de scène. Dites-moi la vérité. Et il n'y aura pas de scène. Mais si vous mentez, je vous jure que je vous crève les yeux. Eh bien, je l'aime. Le malheur, c'est que je l'aime moi aussi. Lucie, il va vous quitter. Il ne me quittera pas. Mais qu'est-ce que vous espérez de lui si vous le retenez contre son gré? Pauline... J'aime Herbert avec passion. Il n'est plus tout jeune. Et un beau jour,
qu'il se rendra compte de l'amour que j'éprouve pour lui, il me le rendra. Astrone m'a appris cela. L'amour engendre l'amour. C'est pour cela que je vous prie de partir. Si je quitte cette maison, il me suivra. Pas possible. Je vous en supplie. Vous êtes jeune, vous êtes jolie, je ne le suis pas. Si vous vous en allez, je vous donne 5000 dollars. Oh, Lucie. 10 000 si vous partez maintenant, ce soir même. Ce n'est pas nécessaire, Lucie. Je partirai pour rien. Pauline! 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 C'est toujours l'histoire de l'éternel triangle. Vous penchez pour la plus déplaisante interprétation, c'est une seconde nature, hein? Je m'en tiens aux faits. Les autres interprètent. Les faits ou des insinuations gratuites? Voyez-vous, Vasper, vous avez le foie malade. Et au lieu de vous soigner, vous déversez toute votre bile sur ce qui vous entoure. Vous défendez ces pauvres pantins? Ils sont terrorisés et malheureux. Mon cher Templar, vous faites absolument fausse route. Astrome est une sorte de tartuffe moderne. Herbert est un faible, un pantin aux mains de sa femme. Jeannette, une nymphomane qui aime surtout les paquets de muscles. Et quant à Lucie, elle allie un complexe de mère abusive aux instincts d'un requin. N'importe quel psychiatre vous le dira. Pourquoi vous acharnez contre eux, Vosper? Voyez-vous, vos talents ont de quoi s'exercer dans ce bas monde. Attaquez-vous aux escrocs et aux agrophanes toutes sortes. Mais laissez ceux qui habitent cette maison tranquille. Ils ne font de mal à personne qu'à eux-mêmes. C'est ce qui vous trompe. Ce sont les petites fraudes qui engendrent la corruption. Les faux prophètes, les hommes d'affaires douteux, les époux adultères et les gigolos se donnent rendez-vous ici. Leur face de fripouille cachée sous le masque de la respectabilité, c'est ce que je révèle au grand jour. En vous basant sur quoi? Sur les faits. J'ai une fiche sur chacun de ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que c'est mon métier. Et laissez-moi vous rappeler que jamais je n'ai été poursuivi en justice pour diffamation. On prétend qu'il ne faut pas forcer la chance. Je ne me fie pas qu'à la chance. L'arme la meilleure est encore la vérité. Et d'autant plus qu'un procès en diffamation pourrait avoir pour résultat de vous faire une publicité toute gratuite. Ça ne me tente pas. C'est drôle, brusquement, vous m'ennuyez. Oui, vous aussi. Et vous me dégoûtez. Pour vous remettre l'estomac en place, je vais sur la plage. Avec un peu de chance, je pourrais rencontrer le malheureux Herbert en train de consoler Pauline dans les dunes. John. Oh, excusez-moi, Jeannette. En retard pour l'apéritif, comme d'habitude, mais... Hé, hey. Qu'est-ce qu'il y a? On revient de l'enterrement? Nous parlions du plaisir et de la beauté de la vie à Nassau. Ah. Où est Mademoiselle Stone? Je n'en ai aucune idée. Belle fille, n'est-ce pas? Oui, très. Est-ce que Vosper a lu le dossier? Il l'a en main, mais j'ignore s'il l'a lu ou pas. Grayson, vous êtes écossais, hein? Le tissu. Ah! Je l'ai acheté chez un tailleur chinois l'an dernier à San Francisco. Le souper est servi, Madame Wexall. Merci, Maria. Quelqu'un sait-il où est caché Floyd? Il n'est pas dans sa chambre, en tout cas. Sa porte est restée ouverte. Ouais, est-ce qu'on a besoin de lui? Si vous voulez mon avis, je dirais non. La dernière fois que je l'ai vu, il faisait la sieste sur la plage. Faites-moi le plaisir d'aller le chercher, voulez-vous, Simon? Mais très volontiers. Pauline, qu'est-ce que vous faites là? Oh, je réfléchis. Je vous ai cherché tantôt. Je suis allée me promener, assez loin. Et vous, où allez-vous? Lucie m'envoie chercher Floyd Vosper. Je l'ai vu endormi sur la plage en venant. Vous voulez bien que je vous accompagne? Je ne me sens pas le goût d'affronter tout ce monde ce soir. Avec plaisir. Ah, il est là. Vosper! Il dort encore. Ça ne m'étonne pas, il n'a pas cessé de boire toute la journée. À
Allez-y, docteur. Je vous en prie cadeau. Merci. Je vous en prie. Portez-le dans l'ambulance. Docteur Assin, M. Fanshear voudrait connaître l'heure de la mort. La mort peut se situer entre 6h et 7h. Vous ne pourriez pas être plus précis? Je vois que mon rapport indique 6h30. C'est une moyenne, pas une précision. Mais M. Fanshear la considérera-t-il comme telle? Je l'ignore. Peut-être que l'autopsie du cadavre pourra nous le dire. 3 ans de service, et vous êtes déjà un expert en médecine légale. Une autopsie détermine seulement la cause de la mort. Cette cause, tout le monde peut le constater, était une flèche. Êtes-vous certaine de ce que vous dites? Oui, sergent. Continuez, continuez. Vous voyez? Merci. Chacun de vous sait que M. Vosper a été retrouvé sur la plage avec une flèche dans la poitrine. Attendu que le suicide au moyen d'un arc et d'une flèche est hors de question, nous en concluons que M. Vosper a été assassiné. Attendu que l'heure de la mort peut se situer approximativement à 6h30, je voudrais savoir où vous vous trouviez tous à cette heure-là. M. Templar, veuillez commencer. J'étais dans le jardin, monsieur. Mademoiselle Stone? J'étais allée me promener. J'étais sur la plage, tout à fait à l'autre extrémité. Et monsieur Astron? Je n'étais pas là. Dans mon esprit, je veux dire. Géographiquement, j'étais dans ma chambre. Madame Wexall? Je m'habillais dans ma chambre. Monsieur Gresson? J'étais dans ma chambre en train de remettre en ordre... Si vous voulez bien, nous verrons plus tard les mobiles possibles. Monsieur Wexall? J'étais monté sur le toit. Monté sur le... Oui. Avec une paire de jumelles, je cherchais à percevoir Mademoiselle Stone. Je savais qu'elle était partie se promener et je voulais voir dans quelle direction. Mademoiselle Blaise? Je prenais un bain. Reste Monsieur Eric. Je lisais dans la bibliothèque. Il y avait quelqu'un avec vous? Non. Ainsi, vous étiez tous seuls. Le fait que pas un de vos alibis puisse être contrôlé complique singulièrement les choses. Oui, entrez. Ah, les domestiques sont heureusement plus coopératifs. Il apparaît que de 5 à 7, il n'en est pas un qui se soit écarté de la vue des autres. Vous devez avoir une bien grande cuisine, Madame Wexall. Bon, je vais procéder d'une autre manière. Est-ce qu'il en est parmi vous qui avez des raisons de souhaiter la mort de M. Vosper? Je vais y répondre. J'écoute, M. Templar. Nous en avions tous. Tout le monde ici souhaitait sa disparition. Voudriez-vous vous expliquer? Volontiers. Le regretté Floyd Vosper était l'un des plus déplaisants personnages que j'ai rencontrés. Il se faisait un malin plaisir de menacer chacun de révéler les fautes qu'il avait commises dans le passé. Y compris vous. Pour le moment, nous allons, si vous le voulez bien, laisser de côté les motifs et nous consacrer au problème des possibilités physiques. Enfoncer une flèche dans la poitrine d'un homme requiert à la fois une grande vigueur et un arc particulièrement puissant. Monsieur Eric, ceci vous appartient, n'est-ce pas? C'est exact. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Dites-lui, John. Qu'il me dise quoi? Je suis désolé, John. Mais il est ici le seul qui ait la force de servir de cet arc. En effet. Rien d'autre? Je vais parler. Je participe au simple messieurs à Wimbledon cette année. En réalité, je n'ai pas le droit. J'ai joué comme professionnel pendant un an à Catskill. Et Vosper le savait? Oui, monsieur. Il voulait le publier dans sa chronique. Mais je ne l'ai pas tué, monsieur. Je peux vous le jurer. Mais le corps de Vosper a été retrouvé percé d'une flèche. Monsieur Fanshear, quoique je n'ai pas qualité pour le faire, et que j'apprécie votre talent, je crois avoir une idée à vous soumettre. Je vous écoute. La flèche n'a pas été tirée par l'arc d'Eric. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous voulez bien que nous sortions, je vais vous le démontrer. Bien. Veuillez rester à vos places, tous. Monsieur Fanshear, un arc est une arme difficile à manier. Vous vous rappelez que la flèche était plantée verticalement dans le corps de la victime. Et pour planter une flèche dans la poitrine d'un homme allongé, il faut que l'arc soit tenu sous cet angle.
Faites voir. Vous voyez, même Eric n'aurait pas assez de force pour planter la flèche dans la poitrine d'un homme sous cet angle. Et supposons que Vosper ait été debout. Un homme touché par une flèche qui se propulse à la vitesse de l'éclair ne s'étend pas pour dormir. Le corps, au contraire, doit être recroquevillé. Et vous avez certainement raison. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre arc n'est pas l'arme du crime, monsieur Eric. Mais c'est impossible. C'est la flèche qui l'a tué, mais elle n'a pas été tirée par l'arc de monsieur Eric. Vous croyez à l'accident? C'était la flèche de Dieu. Je m'excuse, Astron, mais il ne s'agit en l'occurrence que d'un crime sordide. Et toute référence à l'intervention divine est non seulement ridicule, mais de mauvais goût. Mais comment expliquez-vous ça? Il n'est pas tombé dessus, tout de même. Il avait bu quelques verres de whisky dans l'après-midi. Bu quelques verres, tu es modeste. Il en a bu une bouteille entière. Monsieur Fanshear, puis-je poser une question? Allez-y. Lequel d'entre vous possède une arme à feu? Moi, j'ai un revolver. Vous pouvez nous le montrer? Oh, bien sûr, il est dans la pièce au trophée. Je vais le chercher. Jeannette, enveloppez-le d'un mouchoir. N'y laissez pas vos empreintes digitales. Monsieur Templar, je ne vous suis pas. J'ai demandé si quelqu'un avait une arme. Je désire la voir avant de vous expliquer. Vous savez que j'ai une arme, monsieur Famshire. C'est vous qui m'avez donné le permis. Et je ne vois pas où ce monsieur veut en venir. Vous n'êtes pas le seul. Donnez-le lui. Merci. Colt 38 spécial. Une balle dans le canon. Un servi récemment. Herbert, je suis vraiment désolé. Et moi donc? Pouvez-vous faire relever les empreintes? Et pourquoi est-ce bien utile? Si vous voulez ressortir un instant avec moi, je vais tenter de placer la dernière pièce du puzzle. Sergent, relevez les empreintes. Et faites attention en le manipulant, il est chargé. Monsieur, avez-vous fait garder l'endroit où on a trouvé Vosper? Bien sûr. Je voudrais que nous y allions ensemble. Monsieur Templar, j'espère que vous ne me faites pas perdre mon temps. Je présume que rien ne nous interdit de nous servir quelque chose à boire. Non, madame. John, s'il vous plaît. Bien. Martini? Oui, sec. Vous permettez que je creuse le sable? Faites, je vous en prie. J'ai vu juste. Une balle calibre 38, qui doit provenir de l'arme de Wexall. Parfait. Nous pouvons peut-être rentrer. Vous avez trouvé des empreintes, sergent? Non, monsieur. Il n'y en a pas une seule. Bel exemple d'incapacité policière. Je vous demande pardon, madame. Je me suis servi de cette arme aujourd'hui même. J'ai tiré une vingtaine de balles. Je me suis amusé à tirer sur des méduses. La plage en était infestée avant que la marée monte. J'ai tiré une vingtaine de balles et ensuite j'ai rechargé l'arme et je l'ai remise dans le tiroir. Quelqu'un vous a-t-il accompagné lors de votre partie de tir à la méduse? Non, mais mes empreintes devaient être sur la crosse. Dites ce qu'il vous plaira, madame, mais il n'y a pas d'empreinte. Il n'y a rien d'étonnant. Pourquoi? Parce que c'est l'arme du crime et que l'assassin l'a nettoyée. Nous avons trouvé cette balle enfoncée dans le sable à l'endroit où était le corps de Vosper. Je l'ai vu moi-même allongé sur la plage, face contre terre. Il est mort au milieu de son sommeil. Avec le vent et le ressac, il a dû être très facile à l'assassin d'approcher et de tirer. Mais vous oubliez la flèche. Un trait de génie du meurtrier. Il a retourné le corps de Vosper sur le dos, a pris une des flèches de John Eric et l'a enfoncé dans la plaie. Ainsi, il faisait d'une pierre deux coups. Il maquillait la trace de la balle et... il faisait accepter par tout le monde l'hypothèse de la flèche arme du crime. Monsieur, croyez que je déteste usurper votre autorité? Non, poursuivez. Nous allons revenir à la question des mobiles. Vosper m'avait révélé qu'il avait constitué un dossier sur toutes les célébrités internationales. Il connaissait la liste des invités de Lucie pour ces deux jours, et il avait établi ses fiches sur chacun de nous. Et où les avez-vous trouvées? Je les ai prises dans sa chambre avant votre arrivée. Veuillez me lire celle qui vous concerne.
Simon Templar, surnommé le Saint. À suivre attentivement. C'est tout? Oui, c'est assez curieux. Mais malheureusement, elles sont plus explicites au sujet de vous tous. Je ne tiens pas à révéler en public les petits secrets des autres. Continuez, Monsieur Templar. Lucy Cartwright Wexall, épouse divorcée de Ralph Jennings Cartwright à Mexico en 52. Divorce invalidé par l'État de New York. Se renseigner sur possibilité de bigamie selon les lois en vigueur à Nassau. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûre d'être légalement mariée selon les règles en vigueur à Nassau. J'avais peur de consulter un avoué au cas où cela viendrait aux oreilles d'Herbert. Vous saviez que Vosper était au courant? Arthur Granville Gresson, courtier, connu surtout pour avoir fondé des sociétés fantômes. Arrêté pour carambouillage en Californie en 1948, acquitté. Arrêté pour détournement à New York en 1953 et condamné à 7 ans. Eh bien, Monsieur Gresson. Templar, oui, j'admets que j'ai commis des erreurs dans ma vie, mais je ne l'ai pas tué. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui. Et vous saviez que Vosper avait votre fiche? Oui. Jeannette Blaise. Vérifiez photocopie du registre de police de l'hôtel Ritz à Paris pour la semaine du 6 au 13 juin 1959. Vous savez ce que cela veut dire? Je sais, oui. J'ai offert à Vosper une fortune à Palm Beach. Excusez-moi. Herbert Winfield Wexall vit de l'argent de sa femme. Ancien comptable au service de son beau-père. Plusieurs affaires de femmes à Miami et sur la Côte d'Azur. Admis à l'hôpital de Lexington, Kentucky, en juillet 1948 pour y subir une cure de désintoxication, héroïne. Sorti 8 mois plus tard. Je ne veux pas en discuter. Vous saviez que Vosper était au courant? Je ne l'ai jamais caché à personne. Sauf à moi. John Eric, il nous l'a avoué. Joueur professionnel, il ne peut être admis à Wimbledon. Pauline Stone. Fille de Marie-Christine Cooper et de... Inutile d'aller plus loin. Je suis une enfant naturelle. Ce n'est pas ma faute et je n'en suis absolument pas honteuse. Pourquoi le seriez-vous? Astron. Né aux Indes. Expulsé des États-Unis comme étranger indésirable en juin 1962. Motif? Faux étalage de religion. Monsieur Templar, je ne suis pas en disharmonie avec le monde. Le monde est en disharmonie avec moi. Oui, c'est fort possible. Je suis désolé d'avoir remué toute cette vase. Nous avons tous dans notre passé des secrets que nous préférons tenir bien cachés. Mais Floyd Vosper avait réussi à percer ses secrets et se livrer au chantage. La seule menace du scandale aurait pu être un mobile suffisant pour le meurtre. Mais ajouté à la menace de cette divulgation, un désastre financier. Et le mobile du crime se trouve renforcé. N'est-ce pas, Monsieur Gresson? Où voulez-vous en venir? Vous avez tué Vosper. Vous êtes fou. Il vous menaçait. Non. Il voulait publier dans sa chronique le fait que vous aviez été en prison, avouez-le. Il ne m'a pas menacé. Non? Non. C'est à vous? Je n'en sais rien. Les initiales AGG sont les vôtres, je crois. Ouais. Et vous avez essuyé l'arme avec ce mouchoir? Non. Voulez-vous parier que le laboratoire y détectera des traces de graisse et de poudre? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Votre chambre est la seule de cette maison d'où l'on puisse apercevoir toute la plage. Vous avez vu Vosper allongé sur le sable, vous êtes allé dans la salle des trophées pour chercher une arme, et vous êtes allé sur la plage pour tuer Floyd Vosper. C'est ridicule! Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? J'ai soumis mes projets à un ingénieur très réputé et il les a trouvés à 100% intéressants et rentables. Mais si Vosper avait révélé votre passé judiciaire, vous n'auriez trouvé personne pour financer votre projet. Est-ce que j'ai raison, Wexall? Oui. Vous l'avez tué, Gresson, avouez-le. Oui, c'est moi. N'essayez pas de m'approcher, surtout.
n'ai pas envie de retourner en prison. Je vais sortir de cette maison et je vous préviens, je tire sur le premier qui m'en empêchera. Templar. J'ai tué une fois. Je peux le faire une deuxième. N'avancez pas ou je vous abats. Donnez-moi cette arme, Grayson. J'avais pris la précaution de la décharger. Sergent! Vous n'en ferez pas usage, je pense, monsieur. Celle de Grayson, peut-être. Quant aux autres, vous pouvez leur remettre leur curriculum vitae. Merci. Est-ce que nous pouvons disposer? Je voudrais prendre l'avion de Londres ce soir. C'est un problème qui ne concerne que vous et la compagnie aérienne, mademoiselle Stone. Je vous conduirai à l'aéroport. Je serai prête dans 20 minutes. Je suppose que la morale que l'on peut tirer de cette affaire, c'est que seul celui qui a la conscience nette peut lutter contre un homme tel que Vosper. Il disait lui-même que la seule peur de la vérité était son arme la plus précieuse.